Alors, vérification de nos fondations, nous sommes dans la partie 4C. Je voulais creuser cette partie 4. C'est pour ça que j'ai appelé C. Donc, c'est la troisième exploration de cette partie 4, de comprendre comment l'esprit nous rend conforme à l'image de Christ. Avant, nous avons parlé du fait que l'homme est créé en trois parties, corps, âme, esprit. Il avait un corps innocent, il avait un esprit qui était vivant envers Dieu, et il avait une âme qui était pure et sans péché. Et on a aussi parlé de l'homme déchu, qui est coupable, dont le corps commence à se décomposer avec un esprit anesthésié envers Dieu et une âme coupable, une nature dépravée. On a finalement l'homme racheté avec un corps qui, lui aussi, est déclinant, mais il a la promesse d'un nouveau corps avec une âme purifiée, une nouvelle nature. Et l'esprit, son esprit qui est vivant en Dieu avec le Saint-Esprit. Mais l'homme racheté a toujours la chair qui a encore cette ancienne nature programmée, un petit peu comme des sillons dans la route qui nous font toujours tomber dans ces creux. C'est notre ancienne nature, même si on ne veut plus y aller. Ça nous ramène automatiquement. Et à cause que ces sillons dans la chair se sont vus permis un développement si profond, c'est cette chair qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire. Dans notre âme, on ne veut pas le faire dans notre esprit. Regardez Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, quelle est la solution? Galates 5, 24, 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, la solution est double. Il faut crucifier la chair et il faut vivre dans l'esprit. Donc, il faut l'immobiliser, la chair, et ensuite, il faut l'affamer. C'est ce qu'on faisait lors de la crucifixion. Les gens étaient immobilisés sur la croix jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Alors, il faut arrêter de la nourrir par les sens physiques, les sens physiques négatifs. Ensuite, la deuxième partie de la solution pour vivre dans l'esprit, on peut augmenter notre connexion avec l'Esprit Saint par l'immersion avec Dieu et parler en langue. Nous nourrissons notre esprit, notre âme, qui est composée de l'intellect, la volonté et les émotions, par le contenu de l'esprit, qui provient de l'Esprit Saint. J'aimerais en reparler aujourd'hui parce que c'est un sujet négligé par l'Église en général. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus facile qu'on pourrait penser de nourrir
notre âme par l'esprit. En premier, on doit comprendre que la chair et l'esprit s'opposent complètement. C'est ce que Galates 5, 17 nous dit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin qu'on ne vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Regardez les deux voitures. Qui gagne ici lorsqu'on a deux voitures attachées une avec l'autre qui s'en vont dans des directions différentes? Laquelle va gagner? C'est celle qui a le plus gros moteur. Alors, regardez la petite Volkswagen à gauche. Est petite, elle a un petit moteur, c'est l'esprit. Et la chair, avec ses sillons profonds, a un plus gros moteur. Alors, on peut choisir à chaque moment de se laisser aller au désir de la chair ou au désir de l'esprit. En tant que nouveau chrétien, notre nouvelle nature, elle est là, mais elle est toute petite, comme un petit bébé. Alors, on doit la nourrir pour qu'elle se renforcisse. Regardez 1 Pierre 2, verset 2. « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Jusqu'à temps que la plénitude de Christ soit formée en vous. Ce verset-là ne nous dit pas de devenir pur en essayant d'agir de façon pure. Ça nous dit simplement qu'on doit avoir la bonne nourriture, le bon lait, la bonne nourriture en dedans de nous. Chacun de nous, on a différentes circonstances dans notre passé. Chaque personne a vu sa chair être nourrie de différentes informations. On a tous eu des événements négatifs. Il y en a qui sont nés dans une famille violente. Il y en a qui sont nés qui n'avaient pas vraiment de famille, orphelinat. Abandonnement, ont été abandonnés. D'autres ont eu des familles aimantes. Donc, chacun de nous avons la chair, notre chair qui a été programmée différemment. Alors, vu qu'on vient de différents environnements, la manière de nous nourrir va être différente, mais il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Et il faut manger la bonne nourriture de la parole de Dieu. Regardez Psaume 119, 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, dans son cœur, c'est dans son esprit, son intellect, sa volonté et ses émotions qu'il sert la parole dans son cœur. Alors ça, ça dit que si vous voulez être pur, vous n'avez pas à agir de façon pure, c'est tout simplement de manger la bonne nourriture. Pour être pur, on doit saturer notre âme, notre intellect, notre volonté, nos émotions de la parole de Dieu. Regardez Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut laisser Dieu nous transformer en une nouvelle personne en changeant la manière qu'on pense. Et si on change nos pensées, ça va changer notre vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on focus plus sur nos pensées que sur nos émotions?
c'est parce que chaque action commence par une pensée. Même chaque émotion commence par une pensée. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est le même processus. On a une situation X, alors ça amène une pensée. Alors, si on est dans le trafic, ça amène une pensée. Alors, cette pensée va nous amener à avoir une émotion. Cette émotion va amener un comportement et c'est toujours le même processus. Si on, suite à la situation, on a une pensée positive, ça va amener une émotion positive et ça va amener un comportement positif. Mais si cette situation, cette même situation-là amène une pensée négative, ça va amener une émotion négative et le comportement en découlant va être négatif. Si vous nourrissez vos émotions et vous essayez de faire le bien, mais que vous avez les mauvaises pensées, ça va amener un mauvais comportement quand même. On peut défaire tout ce qu'on a dans nos émotions et notre comportement si on nourrit nos pensées. Donc, la meilleure manière de changer notre comportement et nos émotions, c'est de focusser en remplissant nos pensées des bonnes choses de la parole de Dieu. J'aimerais regarder plus spécifiquement à comment changer les forteresses. Regardez l'image, c'est une image intéressante. Il a sa ferme sur une colline et il pleut. Et il pleut tellement, regardez. Les sillons qui sont tracés dans la terre ont été faits par l'eau qui s'écoule. Alors, il ne peut pas vraiment semer là-dessus parce que tout ce qui est dans les sillons, et s'il sème sur les buttes, ce n'est pas nourri d'eau. Et s'il plante dans les sillons, ça va être lavé. Et il y a la même chose qui peut se passer dans notre cerveau en pensant les mêmes choses constamment. Dans nos pensées, on a des sillons de pensées qui se forment. Alors, à chaque fois qu'on pense d'une certaine manière, ça renforce cette manière de penser. Et la Bible appelle ces sillons de pensée, elle les appelle des forteresses. Regardez dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, les arguments et toutes les opinions, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les forteresses sont des groupes d'arguments qui forment des sillons dans nos pensées. Et lorsqu'on a donc un certain événement qui nous arrive, on va toujours se mettre à penser de la même manière. Pour sauver la colline, il y a deux choses pour faire. Comment on peut sauver empêcher l'érosion? Il faut arrêter le flot négatif. Empêcher l'eau de s'écouler toujours par ces sillons-là. Alors, la première chose qu'on doit faire, donc, c'est enlever le flux de pensées négatives. Quand j'ai une pensée négative, lorsqu'on a des pensées négatives, on les arrête tout de suite. Il faut dire, non, c'est pas une pensée de Dieu, c'est pas bénéfique, c'est pas vrai, je refuse d'y penser.
J'ai un ami qui était schizophrène et il s'est délivré et il a eu la délivrance. À chaque fois qu'il avait une pensée, il a dit « Non, c'est un mensonge. » Alors, il a refait les sillons neuronaux de son cerveau en surveillant ce qu'il pensait et en refusant les mensonges. On prend chaque pensée négative et on lui dit non, on l'amène à l'obéissance de Christ. On construit des barrages contre le flot des pensées négatives. Alors, ensuite, on doit justement construire un barrage pour démarrer un flot positif. Alors, il faut vraiment encourager un flot positif d'eau. Alors, voici une formule d'arrêter le négatif et de démarrer le positif. Si tout ce que vous faites, c'est de construire un barrage, ça va accumuler l'eau et à un moment donné, ça va exploser. Mais là, vous voyez ici sur cette image, ils ont fait une construction où ils ont dirigé le flot pour que ça soit bénéfique pour la terre. Regardez comment on peut rebâtir un flot positif. Alors, Éphésiens 4, 22 à 24. Il faut enlever certaines choses de notre vie. Donc, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Cette nouvelle information, ces pensées divines qui ont été créées d'après la ressemblance de Dieu, elles font partie de qui Dieu est. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le vieil homme et on remet l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À chaque jour, on doit enlever le vieil homme et remettre l'homme nouveau, qui est renouvelé dans son intelligence. Regardez Éphésiens 4, 25 à 32. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains du travail honnête. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, on arrête le flot négatif et on le remplace par un flot positif. Alors, nous décidons et nous choisissons de concentrer notre pensée. Regardez Colossiens 3, verset 2. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. C'est
si on regarde au ciel toute la journée, on risque de se faire frapper. C'est pas ce que Paul parlait, ce dont Paul parlait. Il parlait d'enlever notre vieil homme et de regarder en haut au caractère de Dieu. Alors, arrêter le négatif, donc enlever le vieil homme et remettez l'homme nouveau. Colossiens est un très bon livre pour focusser, à concentrer notre pensée, de décider de mettre notre pensée sur le positif. Il faut se départir de l'ancien mode de pensée. Colossiens 3, 5, 8 et 9. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, la cupidité, qui est aussi de l'idolâtrie. Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions. Donc, maintenant qu'on s'est départi de l'ancien, on commence le positif et on revêt l'homme nouveau. Colossiens 3, versets 10 à 14. « Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, revêtez-vous donc d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, en supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres. Si l'un a sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Alors, si quelqu'un vous a offensé, vous pouvez changer le flot de pensées négatives et commencer un flot de pensées positives. Enlevez le vieil homme et revêtez l'homme nouveau. En changeant nos forteresses, notre mode de pensée, c'est pas juste de se départir de certaines pensées en construisant un barrage, c'est aussi de remettre un flot positif. Et ce qui est intéressant, c'est que plus qu'on passe de temps à construire un flot positif, comme Philippiens 4, versets 4 à 7 dit, ça va être de plus en plus facile. Si on chasse le positif, si on poursuit le positif, le négatif va s'en aller par lui-même. J'ai été impliquée dans ma jeunesse dans un projet. On essayait de purifier un étang marécageux, mais à chaque fois qu'il pleuvait, ça revenait marécageux. Alors, j'ai eu une idée. J'ai dit, on va construire un petit barrage de terre. Alors, on a fait des petits canaux sur les côtés. Alors, ça a réussi à assécher le marécage. Par contre, mon barrage n'était pas assez haut et les canaux n'étaient pas assez profonds, alors ça a été détruit. Mais dans tout ce processus-là, j'ai appris de cette expérience-là qu'il fallait que je construise mon barrage plus haut et mes sillons plus profonds la prochaine fois. Alors, je l'ai mis en pratique. Alors, la prochaine fois qu'il a plu, l'eau de pluie a pu s'écouler par les canaux et le marécage a pu s'assécher. Et la fois d'après qu'il a plu, non seulement l'eau a commencé à s'écouler par les canaux, par les sillons, mais les canaux sont devenus de plus en plus
profond. Alors, ça a amené toutes sortes d'effets positifs. On a pu construire sur cette terre asséchée maintenant. Mais la chose la plus extraordinaire qui est arrivée, c'est que si j'avais choisi, parce que j'ai choisi de les creuser plus, ils ont commencé à travailler pour moi. Parce que c'est devenu plus facile alors que l'eau m'aidait dans mon travail à creuser le sillon toujours de plus en plus profond. Alors, à chaque fois qu'il pleuvait, je n'avais qu'à m'assurer que l'eau s'écoulait à la bonne place et j'avais de moins en moins d'interventions à faire. Ceci, c'est pour illustrer que c'est la même chose avec nos pensées. Plus qu'on encourage les pensées pures et justes, divines, alors, on commence à construire des canaux, des sillons positifs dans nos pensées. Ça devient de plus en plus facile à penser de façon positive pour toujours avoir des pensées de plus en plus, des pensées divines de plus en plus faciles. Et ces émotions positives vont amener un comportement positif. Alors, comment? En fait, ce que j'illustre ici, c'est que nous choisissons notre vie en choisissant nos pensées. Regardez Romains 8, verset 5. Dieu nous a dit ça il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Quand ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Alors, les gens qui mettent leur pensée sur les choses de l'esprit vont pas combattre pour se départir des pensées négatives et des émotions négatives. Je vous donne un exemple. Si on s'en va dans la cuisine et on dit « Ah, je vois le réfrigérateur, je ne vais pas ouvrir la porte du réfrigérateur. » Mais on concentre nos pensées sur le réfrigérateur, ça devient plus difficile. Mais si on met nos pensées toujours sur les choses de l'esprit, la parole de Dieu, on n'aura pas besoin de se battre contre les pensées de la chair. Quand nos pensées sont pures, nous maturons et nous pouvons atteindre la plénitude de Christ. Regardez, on va mourir sinon. Mort dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos relations, dans le mariage, au travail. Regardez Romains 8, verset 6. Car la pensée de la chair, c'est la mort. Mais la pensée de l'esprit vit et paix. Parce que nos âmes sont amenées en unité avec l'Esprit de Dieu. Et c'est la place où la paix est parfaite. Alors nous devons nourrir notre âme des choses de l'esprit. Rappelez-vous, on nourrit notre intellect par la parole de Dieu, on nourrit notre volonté en obéissant à l'esprit et on nourrit nos émotions en pensant à des émotions positives, en cultivant la reconnaissance et la gratitude. Si notre esprit, notre intellect est renouvelé, nos émotions vont être renouvelées et notre volonté va être renouvelée aussi. Notre but principal est d'être rendu conforme à l'image de son Fils. Comme Dieu veut nous rendre conforme à l'image de son Fils Jésus, il veut nous amener à cette maturité en Christ. Rappelez-vous que la Bible a dit que Jésus grandissait en sagesse et en maturité.
Mais nous devons coopérer avec ce processus. Laissez-moi le dire une dernière fois, alors que je termine cette série. Toutes les règles imposées à soi-même, le légalisme, tous les comportements qu'on essaie de forcer, c'est pas seulement contre-productif à ce que Dieu veut faire en nous, mais pire encore, c'est que lorsqu'on fait cette autodiscipline-là, ça nourrit notre chair, parce que notre chair est focussée sur nous. Alors, ça va rendre notre chair encore plus forte, encore plus difficile à battre. Alors, Dieu dit, crucifiez la chair et affamez votre chair et nourrissez votre âme. Alors, la fondation pour croître en maturité et en marcher dans l'esprit, c'est de nourrir notre âme par l'esprit. C'est ce que notre verset nous dit. Regardez 2 Corinthiens 3, verset 18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, parce que nous nourrissons nos âmes de l'Esprit de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. Cette gloire qui nous amène de plus en plus de gloire, non pas pris dans un sillon, mais on est plutôt transformé en laissant l'esprit parler de vie en nous. Et nous répondons à Dieu et ça crée ce flot positif qui nous amène plus près de notre but, qui est d'être conforme à l'image de son Fils, selon Romains 8, 29. Si vous regardez notre site web, vous allez trouver deux liens. Un de 5 minutes pour une déclaration et un autre qui a 100 déclarations qui peuvent nous encourager à transformer nos pensées. Je vous encourage à imprimer les 100, mais entourez celles qui vous parlent pour enlever les sillons négatifs et rebâtir. Levons-nous maintenant, tous ensemble. J'espère que j'allais pas trop vite pour la traduction, mais j'ai rien vu revoler, alors ça devait être correct. Alors, arrêtons de nous condamner, parce que c'est ça que la chair fait, et concentrons-nous sur Dieu. Ta parole est vérité et vie. Notre but, c'est d'être conforme à l'image de ton Fils Jésus, jusqu'à la plénitude et sagesse de ton Fils unique, Jésus. Alors, Seigneur, nous te demandons cet après-midi, aide-nous par ta grâce. J'aime le message de Pasteur David la semaine dernière. Aide-nous à laisser aller notre chair et tout ce qui est négatif, afin que nous puissions amener ce flot positif de ta parole de façon sage pour bâtir des canaux positifs, des forteresses positives dans nos esprits, dans notre intellect, qui va amener une transformation positive. Seigneur, si on était pris, on choisit de ne plus être pris et on nous permettons à ta parole de venir nous transformer. Nous affamons notre âme de tout ce qui est négatif, qui nourrissait ses anciens sillons. Et nous écoutons tout simplement ton esprit qui
nourris notre intellect avec ta vérité. Alors, Père, nous sommes sur nos genoux, dans notre cœur, en te demandant ta grâce pour laisser ta vérité couler librement dans notre esprit, afin qu'on puisse être transformé à l'image de ton Fils par ta grâce, dans le nom de ton Fils.